cause it rains every night. Coucou à tous, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un DIY pour la fête des mères. Mais je pense que vous l'avez vu en intro, j'ai transformé une bouteille d'eau en pot de fleurs. J'espère en tous les cas que cette création va vous plaire. Mais avant de vous lancer la vidéo, je voulais vous dire, en fin de vidéo, j'ai quelques petites choses à vous dire. Donc on va se retrouver juste après. C'est parti, je vous lance la vidéo. Je pense que vous l'avez compris dans l'intro, on va faire un pot de fleurs, faire une création assez sympa pour la fête des mères. Et je n'étais pas toute seule, il y avait mon petit chouchou Enzo, trop curieux. Alors nous avons besoin d'une bouteille d'eau, des petites fleurs. Donc moi j'ai pris deux orchidées qui viennent de chez Auchan. Une orchidée baby comme on peut dire, elle m'a coûté 3,99€. On va commencer, je vous dirai au fur et à mesure ce qu'il faudra en plus pour faire ce pot de fleurs pour votre maman. Alors tout d'abord il vous faut un ruban adhésif, vous le mettez tout autour de la bouteille, tout simplement c'est pour que ça soit tout droit. Vous pouvez très bien le mettre plus haut ou plus bas comme vous souhaitez, ça dépend si vous voulez avoir un pot de fleurs petit ou plus grand. Maintenant on va couper la bouteille d'eau, si vous avez peur de vous faire mal n'hésitez pas à demander à un adulte pour qu'il vous aide. Maintenant il faut prendre un marqueur pour dessiner votre dessin. Moi en l'occurrence j'ai dessiné un petit chat, je pense que ça ressemblait à ça, assez mignon, original, vous allez voir ça. Après tout simplement il faut découper au-dessus de la ligne noire. Toujours pareil, si vous ne sentez pas que vous avez peur de vous faire mal n'hésitez pas à demander à un adulte pour découper votre création. Voilà ce que ça donne, je vous donne un petit aperçu avec la petite fleur trop mignonne, j'adore. Franchement j'ai totalement craqué à Auchan quand j'ai vu ces petits baby orchidées trop mignonnes. Maintenant on va peindre le pot de fleurs en plastique. Tout simplement j'ai pris des pinceaux qui viennent de chez Auchan, je les avais eus dans le rayon peinture. Et après j'ai pris de la peinture acrylique blanche. Il me semble que je l'avais eu chez Cultura mais bon on peut en trouver un peu partout. On va peindre le pot de fleurs en plastique en blanc. Après avoir peint tout ce pot de fleurs en blanc, vous laissez reposer une heure et après soit vous dessinez votre dessin ou soit comme moi j'ai préféré refaire une deuxième couche. Après c'est comme vous voulez, vous pouvez faire deux, trois couches ou même qu'une, ça dépend de vous. Voilà ce que ça donne, par contre n'oubliez pas de laisser reposer une heure avant d'écrire sur votre pot de fleurs. Tout simplement vous dessinez ce que vous voulez, moi j'essaie de dessiner un visage de chat, je pense que ça ressemble un tout petit peu. Voilà ce que ça donne, j'ai fait mon possible parce que je suis pas très douée en dessin, mais ce n'est pas encore fini, j'ai pas fini de personnaliser ce petit pot de fleurs. Après on va s'occuper des oreilles, j'ai pris du papier cartonné rose pailleté. Je sais que je vais encore me répéter, mais si vous avez peur de vous faire mal, de vous brûler, demandez-le à un adulte parce que moi j'ai pris un pistolet à colle et ça brûle. Pour terminer ce pot de fleurs, vous avez besoin de plumes, on peut en trouver un peu partout, moi je les ai eues sur le site eBay, sinon vous pouvez en trouver dans les magasins de création. Après vous n'êtes pas obligé de mettre des plumes à votre pot de fleurs, mais moi je trouvais que c'était assez original. On va utiliser le pistolet à colle, donc tout simplement moi j'ai mis de la colle sur la plume noire juste au bord, et après j'ai collé la plume rose au-dessus. Ensuite j'ai collé des petites plumes violettes derrière la grande plume rose et noire. Après vous pouvez mettre d'autres couleurs mais moi j'ai préféré mettre que du violet. Dernière étape, il faut coller cette création là sur le pot de fleurs. Toujours pareil, on va utiliser le pistolet à colle. Par contre faites attention, ne collez pas sur le plastique. Mettez plutôt les points de colle sur les plumes et déposez délicatement parce que si vous mettiez de la colle sur le plastique, les oreilles risqueraient de tomber en arrière. Voilà ce que ça donne, maintenant il faut attendre 10 minutes que la colle sèche et après vous pouvez mettre votre terre et votre petite fleur comme vous souhaitez. Moi en l'occurrence c'est une petite orchidée trop mignonne. Je souhaite une bonne fête des mères à votre maman en avance. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez reproduire ce petit DIY pour votre maman. Mais avant de vous quitter, j'ai quelques petits produits à vous présenter que j'ai reçus grâce à Octoly. Si vous demandez c'est quoi Octoly, je vous mettrai le lien de la vidéo d'Octoly juste en barre d'infos ou ici quelque part.
pour vous donner une petite idée. J'ai reçu le vernis Sinful Color en rose. C'est le vernis que je porte pendant ce DIY. Les avantages et les inconvénients que j'ai remarqués sur ce vernis là. Alors tout d'abord les avantages, je trouve que le vernis est vraiment beau. Après on va passer aux inconvénients directement parce que j'ai pas trouvé ce vernis si extra que ça. Bah, il ressemble un petit peu aux autres. Alors les inconvénients, bah, tout simplement quand on le met ça sent très 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 fort le vernis. J'ai horreur de ça et le pire ça reste pendant au moins 2 heures. Après un autre inconvénient, c'est ce que je reproche dans la plupart des vernis. Ça reste pas plus de 2 jours. Allez, au bout du 2e jour, il y a déjà du vernis qui part. Ça c'est vraiment chiant. Après si ce vernis vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos où vous pouvez vous le procurer. Après j'ai reçu 3 produits de la marque d'Yves Rocher grâce à Octoly. Ce sont des produits pour l'été, c'est une nouveauté, ça a l'air vraiment sympa et ça sent super bon. Alors tout d'abord nous avons le solaire peau parfaite avant solaire. C'est une brume qui active le bronzage. Bien sûr je ne l'ai pas encore testé, j'ai juste mis sur ma peau et franchement ça sent super bon. Et vous n'avez pas des fois des huiles pour accélérer le bronzage, c'est assez gras. Après nous avons le solaire corps et cheveux. Donc c'est une huile protectrice, donc de l'huile d'andiroba. Moi je connaissais pas et franchement ça sent super bon. Pareil, j'ai pas encore testé parce que le soleil a un petit peu du mal à arriver ici. Et le troisième, toujours dans la gamme solaire peau parfaite d'Yves Rocher, c'est un lait en spray pour hydrater et protéger votre peau au soleil. Donc c'est un indice 30. Aussi j'ai testé sur ma peau, ça sent super bon. Mais ce que j'ai vu derrière, c'est marqué n'appliquez pas sur le visage. Donc ça je trouve ça un petit peu nul. S'il faut reprendre une autre crème en plus pour mettre sur votre visage. Parce que moi généralement les crèmes pour protéger ma peau, je mets la même pour le visage. Donc j'ai pas trop compris... Pourquoi il ne fallait pas la mettre sur le visage. Je sais pas, je vais essayer de me renseigner, c'est un petit peu bête hein, mais ça m'intrigue un petit peu parce que j'ai pas trop envie de prendre une deuxième crème pour le visage. Je trouve ça un petit peu débile mais bon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi le lien pour vous procurer ces 3 produits d'Yves Rocher en barre d'infos. Voilà, la vidéo est terminée, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux. On approche les 6000 abonnés, merci encore et n'oubliez pas, dès qu'on atteint les 6000 abonnés, je vous mettrai un lien en barre d'infos, donc pas tout de suite, dès qu'on atteint les 6000 abonnés, je ferai un live sur YouTube pour papoter avec vous, j'ai juste trop hâte. Je vous fais plein bisous jusqu'à ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye.